Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés pour ce webinaire. Je Bonjour. suis Guillaume Guichon, je suis chargé de communication et de plaidoyer chez Agir Ensemble pour les droits humains et je suis le référent minorité sexuelle chez Agir Ensemble pour les droits humains. Pour rappel, on est dans un webinaire dans le cadre d'une campagne qui s'appelle Fierté sans frontières. Fierté sans frontières, c'est une campagne de sensibilisation et de plaidoyer pour défendre et promouvoir les droits des minorités sexuelles et de genre en Afrique francophone et plus particulièrement au Cameroun, au Congo et au Sénégal. Quand je dis le Congo, c'est la République du Congo, qu'on appelle aussi le Petit Congo. Cette campagne, elle a été lancée le 17 mai dernier à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les LGBTQIA-phobies et elle s'achèvera début juillet. Dans le cadre de cette campagne, on vous propose notamment une table ronde en ligne, c'est celle à laquelle vous êtes connecté actuellement. On vous propose également une rencontre interassociative, elle a déjà eu lieu, c'était le 3 juin 2021. Et on vous proposera également une projection débat autour d'un film qui s'intitule Michel, qui a été réalisé au Congo et produite par Jean-Claude Pongo Elongo de l'association Cœur Arc-en-Ciel. On y reviendra. Cette campagne, c'est aussi un site internet. Vous voyez le lien dans le diaporama qui est diffusé actuellement. Un site internet sur lequel vous pourrez retrouver des portraits, des témoignages, des vidéos, bientôt une émission radio et une note de position. Pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire LGBTQIA+? Lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexuel, asexuel. La phobie. C'est la peur, l'effroi, ça vient du grec phobos. Le militantisme, vous me direz, lutte contre les LGBTQIA, phobie et militantisme, il y a une répétition. Mais nous, on aime bien le terme militantisme parce que derrière ce terme, il y a l'engagement et la prise de risque. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec plusieurs intervenants et intervenantes que je vais présenter dans un instant. Mais si je puis me permettre, dans un premier temps, j'aimerais donner quelques éléments de contexte sur les trois pays dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire le Sénégal, le Cameroun et le Congo, et quelques éléments d'actualité. Donc, le Sénégal d'abord, vous voyez la carte là du Sénégal qui s'affiche à l'écran. Au Sénégal, les relations entre personnes de même sexe sont pénalisées en tant qu'atteinte aux mœurs et passibles de 5 ans d'emprisonnement et 1 500 000 francs d'amende. C'est l'article 319, alinéa 3. On y reviendra. Le 23 mai 2021, on a vu au Sénégal un grand rassemblement pour renforcer la criminalisation de l'homosexualité, du lesbianisme et autres contenus dans LGBTIQ au Sénégal, au nom des, je cite, valeurs correctes. Les personnes coupables d'actes contre nature, entre guillemets, sous-entendu des personnes ayant des relations sexuelles avec les personnes de même sexe, entre autres, tombent déjà sous le coup de la loi. C'est l'article 319, alinéa 3. Si l'appel du collectif soutenu par ce rassemblement islamique sénégalais était entendu par les autorités, la peine de 5 ans de prison passerait en réalité à 10 ans de prison. Le plus inquiétant dans tout ça, c'est peut-être qu'on constate une hausse exponentielle de la violence à l'encontre des personnes LGBTQIA+ au Sénégal, et on y reviendra plus tard. Au Cameroun maintenant, les relations entre personnes de même sexe sont criminalisées. Comment sont-elles criminalisées? C'est l'article 347 bis qui énonce explicitement que toute personne est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs, toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe. Cette loi peut être applicable dans l'espace public, dans l'espace privé, par conversation téléphonique et Internet. Vous l'imaginez bien, les conséquences sont dévastatrices pour les minorités sexuelles et de genre. Qui y vivent, car de simples soupçons basés sur les comportements plus féminins pour un homme ou plus masculins pour une femme les conduisent à de potentielles condamnations. Au Cameroun, on s'en rappelle, l'affaire Shakiro et Patricia, on y reviendra avec Miss Porchia. Shakiro et Patricia sont deux femmes transgenres qui ont été arrêtées le 8 février 2021, puis condamnées à 5 ans de prison et 200 000 francs d'amende le 11 mai dernier, il y a un mois, après une procédure irrégulière, c'est peu de le dire. Alice Ncom, qui est très connue au Cameroun, qui est une avocate, une défenseuse des droits des minorités sexuelles et de genre, au Cameroun, a déclaré, je cite, « C'est une condamnation politique qui adresse un message clair et effrayant.
Nous ne voulons pas de personnes LGBT ici au Cameroun. Nous devons combattre cet état d'esprit et nous le ferons. Maintenant, au Congo, les relations entre personnes de même sexe ne sont pas explicitement criminalisées ou pénalisées. Mais l'âge de la majorité pour les relations entre personnes de même sexe est de 22 ans, alors que celui applicable aux relations hétérosexuelles est de 18 ans. En plus, l'infraction d'outrage public à pudeur est susceptible de recouvrir l'expression d'une identité ou orientation sexuelle LGBTQIA+. Cœur Arc-en-Ciel, qui est une association congolaise de défense des droits des minorités sexuelles et de genre, représentée aujourd'hui par Jean-Claude Pongo et Longo, a édité notamment un rapport dans lequel on trouve des chiffres assez édifiants. En République du Congo, 65,59% des personnes appartenant à une minorité sexuelle et ou de genre déclarent être victimes de violences et ou de discrimination. Par ailleurs, sur tous les cas de violence, 19,82% sont des violences physiques. Certains préjugés sont à l'origine de ces violences, comme l'association entre l'homosexualité et la prostitution, ou l'homosexualité et la réussite économique qui poussent les agresseurs à extorquer ces minorités de tous leurs biens. Certains auteurs de violences vont même jusqu'au viol, dans le but de reconvertir l'identité de genre biologique, je cite, de la personne ou de la conformer aux normes hétéronormatives. Ces différentes formes de violence sont perpétrées principalement par des groupes d'inconnus, c'est 20%, mais les chiffres démontrent que certains acteurs étatiques en sont aussi les acteurs, c'est 10%. De surcroît, les chiffres démontrent aussi que, outre les inconnus, la famille est un des principaux acteurs de la stigmatisation et de la discrimination vis-à-vis des minorités sexuelles et de genre, c'est 18%, car de nombreux jeunes sont rejetés de leur foyer à hauteur de 32%. Triste constat que je viens de dresser. On est là aujourd'hui pour en parler avec trois intervenants pardon, que je vais vous présenter tout de suite. Donc, l'activiste africain, vous l'imaginez, ce n'est pas son vrai nom. L'activiste africain a préféré témoigner de manière anonyme pour des raisons de sécurité, on l'imagine. Bonjour, vous nous entendez? L'activiste africain? Allô, oui, je vous entends. Bonjour, Bonjour, vous allez Alain. bien? Bonjour, bonjour tout le monde. Oui, je vais très bien. Merci. On a Miss Pourchia également qui est présente, qui est présidente, il me semble, de l'association Transigence Action Féministe. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Alors, moi, c'est Porcha Estelle. Je suis la directrice exécutive de l'association camerounaise Transigence Action Féministe basée à Yaoundé. Donc, nous avons aussi une antenne relais à Douala. Donc, nous travaillons avec des cibles personnes trans, femmes, mais nous travaillons aussi avec les travailleurs du sexe, des personnes sexes, des minorités ethniques ou de caste. Donc, voilà un peu le travail que nous abordons au Cameroun avec nos cibles en termes d'activités, que ce soit au niveau de la sensibilisation, que ce soit au niveau de l'information, l'éducation, renforcement des capacités sur le plan santé sexuelle et droits humains. Voilà un peu pour l'organisation. Nous y reviendrons certainement. Merci, Miss Porchia. Et nous avons également Jean-Claude Pongo et Longo qui est connecté. Jean-Claude, tu nous entends? Oui, je vous entends. Bonjour à Bonjour. toutes et à tous. Je suis Jean-Claude Pongo Elongo, directeur exécutif de l'association Cœur Arc-en-Ciel, militant contre les violences et discriminations basées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Et nous faisons aussi la lutte contre le VIH-Sida auprès des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Merci. Merci Jean-Claude. Donc, comme je vous le disais, c'est un triste tableau que j'ai dressé en introduction. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est dans cet environnement non favorable, et je pense qu'on peut le dire hostile, comment militer? Comment lutter contre les LGBTQIA phobies? Comment défendre les minorités sexuelles et de genre? Les trois personnes qui vont témoigner aujourd'hui ont un point commun. Ces trois personnes gardent espoir et elles poursuivent leur combat pour défendre les minorités sexuelles et de genre dans leurs pays respectifs. J'aimerais, dans un premier temps, échanger avec l'activiste africain qui est connecté actuellement, que vous ne voyez pas à l'écran car il a préféré témoigner anonymement. Il nous vient du Sénégal et
Et l'activiste africain, j'aimerais te poser une première question au sujet du rassemblement qui a eu lieu le 23 mai 2021, que j'évoquais en introduction. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Pourquoi cette hausse de la violence? Merci. Je suis aussi me présenter. Effectivement, mon nom, c'est Palakine. Mais voilà, je dirige une organisation qui est basée au Sénégal, qui prend en charge en fait les victimes qui sont de la communauté LGBT, que ce soit dans l'évacuation, la protection des victimes, etc. Donc, mais pour revenir à votre question, voilà comment nous, aujourd'hui, nous avons vu la situation évoluer depuis 2019 sous les yeux de l'État, sous les yeux de la population sénégalaise et notamment l'ensemble des confréries qui sont confondues, l'évolution des organisations islamiques et notamment l'évolution des organisations homophobes. Ça a débuté en 2019. Il y avait eu une marche qui a été faite effectivement par le même groupe en 2019 et ça n'avait pas plus d'ampleur qu'aujourd'hui, le 23 mai passé. Mais ils ont pris le temps de retravailler sur leur stratégie. Or, en un moment donné, il y avait pas de stratégie de position. Raison pour laquelle on est arrivé à la date du 23 mai passé. Et leur stratégie était portée sur le fait de pouvoir criminaliser l'homosexualité au Sénégal, mais non seulement pas l'homosexualité, que ce soit les lesbiennes et tout ce qui fait partie de la communauté LGBT. Et en particulier, comme on le sait, le Sénégal est un pays laïque. Ils ne veulent plus de la laïcité. Ils vont instaurer un pays islamique parce qu'ils se disent majoritaires. Ce qui crée déjà des problèmes de conflits internes entre interreligions, parce qu'aujourd'hui, les chrétiens avec qui nous avons eu de très bonnes relations au Sénégal se sont sentis frustrés par rapport à ces discours. Les discours, les appels à la haine, les appels au meurtre, la prise en charge effective de ces groupes d'éradiquer la communauté LGBT où ils sont au Sénégal est en cours. Et nous aussi, ce qui nous inquiète encore plus, notre communauté au Sénégal, nous avons deux langues. Soit nous partons à l'école française, nous arrivons à parler français. Et la langue la plus dominante au Sénégal, c'est la langue wolof. Ce qui nous inquiète est que lors de cette marche du 23 mai, on avait vu qu'il y a eu trois discours. Il y a eu des discours en français, effectivement, qui a été fait par Moucheu Dambodj, qui est le président du syndicat des enseignants. Il y a aussi le discours du président, ce qui est très grave, le discours du président de l'Ordre des médecins du Sénégal qui se sont impliqués pendant longtemps dans la prise en charge des personnes vulnérables, notamment au niveau de la communauté gay, qui a fait un discours en traitant la communauté gay des personnes malades qu'on devait interner dans des centres psychiatriques. Alors qu'eux-mêmes, les médecins qu'ils dirigent à l'heure actuelle sont en train de prendre en charge des gens de la communauté LGBT dans le programme du Fonds mondial. On avait vu aussi des discours en arabe, ce qui a choqué plus d'un d'entre nous en tant que Sénégalais. On s'est dit, donc, à qui s'adresser ce discours? Parce que nous, au Sénégal, la majorité des Sénégalais ne parlent pas arabe. Donc, à qui s'adresser ces discours en arabe? Parce que moi, qui est Sénégalais, qui a vécu 32 ans au Sénégal avant de déménager pour des raisons de sécurité à l'international, je parle pas arabe déjà. Donc, si je vois aujourd'hui des manifestations avec des discours en arabe, ça peut m'inquiéter alors qu'on parle aujourd'hui de l'expansion du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Et la proximité qu'on a avec le Mali, je suis d'origine malienne. Donc, la proximité aujourd'hui que le Sénégal a avec le Mali cause beaucoup de problèmes parce que les stratégies aujourd'hui des soi-disant terroristes au Mali au niveau du Sénégal, c'est d'investir la communauté islamique et de trouver siège à l'intérieur. Aujourd'hui, ce qu'ils demandent au niveau de leur manifestation, c'est que les prochaines élections pour les députés, qu'ils puissent avoir des députés qui vont les représenter à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un. La deuxième chose, on a vu le numéro 2 de l'opposition, ou bien le numéro 1 même, je peux dire, de l'opposition, Ousmane Sonko, qui était présente sur les lieux de cette manifestation pour couvrir sa popularité, alors que lui-même, aujourd'hui, il a des amalgames avec la justice sénégalaise. Mais pour garder sa popularité,
il est prêt aujourd'hui à devenir le président de ces islamistes. C'est là ce qui nous inquiète. Il est prêt aussi à lui-même, en tant que président, de légaliser l'homosexualité. Donc, ça, l'État aujourd'hui ne peut plus rien faire parce qu'on sait que le Sénégal est entouré par les chefs religieux et notamment la grande ville sainte de Touba où j'habite, par les khalifs, ce qu'on appelle les khalifs. Et on a vu que l'ensemble des khalifs au niveau du Sénégal, pratiquement, je peux dire, c'est pas tout le monde, mais il y a pratiquement plus de 90% des khalifs qui sont au niveau du Sénégal. Et les plus puissants, c'est les khalifs des Mourides, le khalif des Tidjane et le khalif des Niassène. Et la communauté niassène est beaucoup plus présente aujourd'hui au Nigeria que même au Sénégal. Donc, on peut voir comment aujourd'hui la position de ces khalifs peut impacter non seulement au niveau du pays, au niveau pour la communauté, mais aussi à l'extérieur du pays, auprès de nos ressortissants avec qui on vit à l'extérieur. Parce que si le khalif de Mourid déclare aujourd'hui le fait qu'il s'oppose à l'homosexualité, qu'il est avec des gens qui font appel au meurtre à la communauté homosexuelle, effectivement, ceux qui sont disciples de ces communautés-là peuvent aujourd'hui agresser des personnes qui sont des Sénégalais et qui vivent à l'extérieur et qui ont des positions autres que ces marabouts. Donc, il y a une étendue, en fait, de l'insécurité au niveau de notre pays, mais non seulement à l'international. Et c'est ce qu'on a vu le 23 mai. C'est excessivement dangereux ce qui se passe de brûler le drapeau LGBT. Et le discours, après qu'ils ont brûlé le drapeau LGBT, ils ont dit, maintenant qu'on a brûlé le drapeau, la prochaine fois, les homosexuels qui seront attrapés au Sénégal, nous allons les brûler de la même manière. C'est une chose sorcière, public, c'est ça? Exactement. Et nous, au niveau du collectif, au niveau du Sénégal, nous avons vu, nous avons plus de demandes. Il y a des difficultés énormes au niveau des quartiers. Et je vous dis qu'après le 23, ce qui s'est passé, ils ont installé dans les quartiers des comités de veille contre l'homosexualité. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de certains quartiers, des personnes qui ont été soupçonnées depuis longtemps d'être homosexuelles peuvent aujourd'hui être passées au tabac par ces individus qui font partie de ces groupes de comités de veille. Ce qui est malheureux, nos gouvernements, avec la Charte africaine des droits de l'homme, avec tous les articles qui sont à l'intérieur pour protéger la dignité humaine, personne ne prend compte de la situation aujourd'hui de la communauté LGBT en Afrique et notamment ce qui se passe au Sénégal. Et aujourd'hui, le Sénégal est un pays exemplaire au niveau de la société. J'aimerais justement revenir sur la communauté internationale. Vous en parliez, on parlait de dignité humaine. On sait qu'il y a des textes fondateurs qui protègent la dignité humaine, des textes internationaux. L'article 319, alinéa 3 au Sénégal, celui qui criminalise l'homosexualité. J'ai lu dans un article de RFI, il me semble, qu'un certain Djamil Bangoura et d'autres militants et militantes sénégalais et sénégalaises appellent la communauté internationale à exiger l'abrogation de cet article profondément discriminatoire. Est-ce que les autorités françaises, par exemple, ont-elles agi en ce sens? On rappellera d'ailleurs que cet article date de l'époque coloniale, quand le Sénégal était français. Et plus encore, que fait la communauté internationale pour protéger les minorités sexuelles et de genre au Sénégal, au niveau diplomatique ou alors au niveau opérationnel? Quels sont leurs moyens d'action? Quelles sont leurs armes? Déjà, le collectif avait lancé une tribune concernant l'article 319. Je pense que cette tribune, accompagnée d'une lettre, avait été déposée à l'Assemblée nationale du Sénégal, avec l'appui de Adeos. Et malheureusement, on n'a pas eu de réponse. Mais notre objectif, c'était de faire l'action et de montrer au gouvernement qu'il y avait aussi des Sénégalais qui avaient envie de faire changer les choses. Notre impact pour ça, c'était de leur envoyer le courrier et de savoir qu'il est bien arrivé. L'opinion au niveau international laisse le Sénégal sur son propre sort, je veux dire. Le président Macky Sall est en train de jouer aussi double jeu avec l'international. Aujourd'hui, il est avec les marabouts sur le fait qu'il doit lutter contre l'homosexualité et il est ferme sur ses positions pour ne pas perdre son troisième mandat. Lorsqu'il est à l'international, ils le disent, mais écoutez, les homosexuels n'ont pas de problème avec le gouvernement, mais entre guillemets avec la population, c'est-à-dire lui, il a dit que c'est autre chose. C'est-à-dire le gouvernement n'est pas aujourd'hui prêt à prendre ses responsabilités concernant la communauté, la population minoritaire au niveau du Sénégal. Mais là, nous voulions aujourd'hui que l'opinion internationale réagisse sur ça.
Parce que, effectivement, que ce soit à notre niveau en tant qu'activistes, on les sent pas sur le débat. On les sent pas aujourd'hui sur ce qui s'est passé le 23. On les sent pas sur le fait qu'il y a des appels au meurtre. On les sent pas sur le fait que sur YouTube, on voit tous les jours qu'il y a des gens qui se font presque tabasser au Sénégal parce qu'ils sont juste homosexuels. Il y a des gens qui sont dans la rue, qui n'arrivent plus à vivre dans le quartier, qui sont partis. C'est un génocide qui est en train de se passer au Sénégal contre la communauté minoritaire. C'est un génocide que tout le monde est en train de regarder tout juste parce qu'effectivement, pour nous, peut-être activistes, on se dit que comme il y a des pays qui ont déjà des problèmes de terrorisme avec les Arabes, bon, ça, ils ne vont pas en prendre après avec les communautés mourites et tout ça, parce que les États-Unis sont conscients aujourd'hui de l'existence de la communauté migrant. Mm-hmm. Qui font partie de la communauté mourite, qui sont effectivement aux États-Unis. Mm-hmm. Et pour ça, il y a un activiste sénégalais gay qui est connu du nom de Pambaye, qui a, après soi-disant, l'FBI a dit que ça a été dans le cadre d'un cambriolage, mais ce n'est pas ce que dit la personne qui a subi cette agression et qui a reçu 8 balles. Mm-hmm. Et l'écho qu'on a reçu au Sénégal est que des organisations homophobes se jouissait de cette agression-là. Mm-hmm. Donc, nous, activistes, on se dit, normalement, on n'est pas en sécurité dans notre pays, on n'est pas en sécurité à l'international, et déjà, l'international ne dit absolument rien. On n'a pas entendu encore l'intervention de la France. Effectivement, mm-hmm. sur la situation de ce qui se passe concernant les minorités au Sénégal, Joe Biden, effectivement, quand il est arrivé au pouvoir, sur son discours, il a eu des positions fermes concernant les pays qui faisaient des actes de violence contre la communauté minoritaire. Mmh. Mais jusqu'à présent, les États-Unis n'ont pas fait d'actes positifs par rapport à ce qui se passe au Sénégal. Mmh. Donc, c'est à un moment donné, il y a une absence de volonté de vouloir faire. Après, on nous dit très souvent que c'est réglé dans le cadre diplomatique. Je suis entièrement d'accord. Mais la position est telle que c'est devenu un génocide. Ça ne peut plus être des règlements à la diplomatique. Il faut que les choses aussi soient très claires avec nos gouvernements. S'ils veulent continuer de bénéficier au fond sur les fonds du Fonds mondial pour prendre en charge la lutte contre le VIH au niveau des populations LGBT, effectivement, l'argent arrive au sein de nos gouvernements. Et qui finance l'argent? L'international. Maintenant, l'international ne peut pas financer de l'argent pour la prise en charge des personnes gays, alors qu'aujourd'hui, on voit ce qui se passe au Sénégal, on continue à financer et on ne dit rien sur ce qui se passe. Non, ça, nous, les activistes, on dit que c'est anormal. Soit il faut arrêter les financements pour régler d'abord les problèmes de violence, parce que personne ne va se faire soigner à l'hôpital tant qu'il y a les violences sur place. Mm-hmm. Donc, continuer à financer qu'on puisse aller se soigner à l'hôpital, c'est de l'argent qu'on jette par la fenêtre, parce qu'après, ça tombe entre les mains de la société civile qui ne vont rien dire. Moi, j'ai travaillé depuis 2002 avec FHU 360, d'abord en tant que médiateur pour la prise en charge de la communauté LGBT dans les structures sanitaires. Quand FHI a fini son programme, j'ai travaillé avec Percept Santé encore en tant que médiateur. Quand Macky Sall lui-même aujourd'hui qui dit qu'il lutte contre l'homosexualité, mon dernière affectation en 2012 a été signée par la ministre Eva-Marie Colsec à ce temps qui était ministre de la Santé. Mon dernière affectation. J'ai été affecté à l'hôpital. Aujourd'hui, si l'État dit qu'il lutte contre l'homosexualité, comment arrive-t-il à affecter au niveau national des personnes qui sont de la communauté gay? Mais c'est adhérent. Effectivement. Donc, il faut que les gens prennent leurs responsabilités et que nous aussi, qui ont longtemps été dans le système, qu'on prenne nos responsabilités et qu'on se dise que l'État aujourd'hui ne peut pas s'opposer à la communauté LGBT parce qu'il contribue à ce qui nous développe. Bien sûr. Et c'est une réalité. Bien sûr, et ce n'est pas la diplomatie silencieuse, évidemment, qui va régler ce problème et qui va contribuer à déconstruire les mentalités. L'activiste africain, j'aimerais revenir peut-être sur votre parcours et notamment sur votre militantisme, sur votre activisme. Vous étiez au Sénégal, vous avez fui le Sénégal pour des raisons de sécurité et maintenant vous vous trouvez dans un autre pays. On ne révélera pas votre localisation pour garantir votre sécurité. Et justement, est-ce que vous vous sentez en sécurité maintenant, l'activiste africain? Je peux dire que... Vous parliez des mouvements, par exemple, et du fait que finalement, l'homophobie sénégalaise dépasse largement les frontières du Sénégal. Effectivement, je pense que des personnes comme moi qui ont osé
étant jeune Sénégalais, se poser sur le terrain au marabout et le faire publiquement, nous sommes consignés pour des personnes à abattre, que ce soit dans nos pays et que ce soit dans l'international. Moi-même, je suis né à Touba. Je suis mouride. Mes parents sont mourides. Et mes grands-parents font partie des chefs religieux de Touba. Et moi, je me suis opposé à Touba de ce qui se passait parce que, pour vous dire la vérité, on nous parle de confrérie, effectivement. Mais le père fondateur, par exemple, du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, il s'appelle, c'était quelqu'un de pacifique. Et pourtant, il savait effectivement, à cette période-là, où il y avait le père fondateur du mouridisme à Touba aujourd'hui, là où on tue les homosexuels, le père fondateur du mouridisme à son existence, on vendait l'alcool à Touba et on fumait à Touba. Les restrictions de vendre l'alcool à Touba et de le fumer à Touba est venue quand il y a eu le décès du père fondateur et qu'un de ses fils qui s'appelle Serigne Mountaha est arrivé au pouvoir. C'est lui qui a dit on ne fume plus à Touba, on ne fait plus ça, on ne fait plus ça. Mais comment aujourd'hui on est arrivé aujourd'hui à avoir un fondateur du mouridisme qui était pacifique, qui était non-violent et qu'on arrive aujourd'hui, nous, chez les mourides, à être des personnes en fait, qui deviennent non seulement dangereux pour notre propre communauté et pour notre propre pays. C'est pas normal. Et au Sénégal, les gens n'osent pas en parler parce qu'ils ont peur de se faire assassiner. Regardez chez les mourides, chez nous, vous voyez des milices, regardez la situation de Serigne Modou Kara. Il y a des documentaires présentement sur les mourides, sur les milices. C'est pas normal que dans un pays, quelqu'un il arrive à détenir plus de 1500 hommes à sa propre disposition, qui s'entraîne matin, midi et soir. Quand tu t'entraînes, normalement, c'est pour la forme ou pour faire la guerre. Qu'on se dise la vérité. On ne peut pas détenir 1800 hommes juste parce qu'on dit que c'est des disciples. Ces gens, ils s'entraînent, ils ont des tenues militaires, ils ont des je ne sais pas quoi. Donc, c'est des mercenaires qu'on envoie pour accomplir leurs sales travaux. Il y a combien de disparitions d'enfants en Touba? Les gens n'en parlent pas. Moi, j'ai osé lever la voix sur ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que je suis? Il m'affiche comme personne indésirable au Sénégal. Parce que tout simplement, des gens osent lever la voix sur ce qui se passe. Et l'État qui est là, au profit de la grande mobilisation qui tourne autour de ces chefs religieux, n'ose rien dire pour ne pas perdre son électorat. C'est dramissime. C'est-à-dire qu'on met en danger une certaine partie de la population uniquement pour protéger certains. Et c'est ce qui se passe dans nos pays. Et la plupart, d'ailleurs, en Afrique. Si ce n'est pas religieux, c'est coutumière, c'est les chefs de coutume, etc., des conneries comme ça. Il faut qu'on efface ça en Afrique. Il faut que les gens changent d'idée, changent de vision. Et puis, que nos présidents arrivent à vous dire la vérité lorsqu'ils sont en France. Le président Macky Sall, quand il est en France, il dit à Macron que tout va bien. Tout ne va pas bien. Il faut que Macron soit au courant qu'il y a des jeunes qui se font actuellement assassiner au Sénégal. Mais il n'est plus question que nos présidents viennent ici nous soutirer de l'argent à notre nom et revenir dans notre propre pays en toute complicité avec les marabouts pour qu'on nous assassine. Aujourd'hui, moi, je n'ose même pas dire où je suis. J'ai un enfant de 11 mois. Et je vous dis, qui continue à vivre à Touba. Et moi, je connais les gens de Touba. Ils ont failli m'assassiner le 5 octobre passé. S'il n'y avait pas même mon tentative d'assassinat le 5 octobre passé, je l'ai échappé bien, hein. Mais je vous dis, il a fallu l'intervention internationale pour que je sois protégé sur mon propre pays. Vous vous rendez compte? Mon pays n'est même pas capable de me protéger. La police est venue chez moi le 19 novembre dans la grande maison familiale où je vis à Touba. Ils ont perquisitionné chez moi sans mandat du ministère public. J'ai pris des avocats, j'ai porté plainte contre le commissariat et je vous dis ce qui s'est passé. Le procureur de la République a pris l'enquête et l'a dédiée, en fait, à la police déjà qui est incriminée. Et jusqu'à l'heure, je vous parle, jusqu'au mois depuis le 19 novembre, j'ai porté plainte le 22. Depuis le 22 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de procès et je connais mes agresseurs qui sont des éléments de la BER que j'ai bien cités sur ma plainte. Vous voyez à quel niveau aujourd'hui l'État lui-même, avec la police, avec la gendarmerie, sont complices de ce qui est en train de se passer au Sénégal. Oui, exactement.
Merci l'activiste africain. On reviendra plus tard lors des questions-réponses avec le public. D'ailleurs, les spectateurs et les spectatrices vous invitent à poser vos questions dans l'outil questions et réponses qui s'affiche en bas de votre écran. Si vous êtes sur un ordinateur, il suffit de cliquer sur QR et de poser votre question à l'écrit. On les posera aux intervenants en deuxième partie de conférence. On devait partir au Cameroun avec Miss Portia, mais elle a un petit problème de connexion. Elle va nous rejoindre dans quelques instants. Donc, on va partir au Congo, en République du Congo plus exactement. Et je vais m'adresser à Jean-Claude Pongo Elongo, qui est le président de Cœur Arc-en-Ciel. Cœur Arc-en-Ciel, c'est quoi, Jean-Claude? Merci beaucoup. Je suis directeur exécutif de l'association Cœur Arc-en-Ciel. Oui, Cœur Arc-en-Ciel est une association qui lutte contre les violences et discriminations basées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Allô, vous m'écoutez? Oui. Ah, ok, merci. Donc, je disais, Cœur Arc-en-Ciel est une association qui lutte contre les violences et discriminations basées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Et fait aussi la lutte contre le VIH auprès des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes en République du Congo. Donc, d'une manière globale, c'est ça. Cœur Arc-en-Ciel existe depuis l'année 2016 et mène ses actions sur le territoire national et fait aussi le plaidoyer tant au niveau national qu'international. Donc, c'est un peu ça, d'une manière globale, le travail de Cœur Arc-en-Ciel. Merci. On reviendra sur vos actions concrètes dans quelques instants. Mais d'abord, bon, Jean-Claude, excuse-moi, je sais que le titre de la conférence a dû hérisser les poils de ton dos. LGBTQIA+, toi, tu n'utilises pas ce terme, tu préfères utiliser le terme minorité sexuelle et de genre. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire minorité sexuelle et de genre? Et c'est quoi la différence avec LGBTQIA+? Oui, merci beaucoup. C'est que tout a commencé par un constat. Le constat est que quand on a commencé, on a lancé notre mouvement, pendant des réunions, on nous reprochait un peu plus de copier l'Occident. On nous reprochait un peu plus fait de faire des choses qu'on nous apprenait en Occident. Et c'était un peu ça. Et sans oublier le fait que l'opinion générale en Afrique pense que l'homosexualité est une importation occidentale. Donc, ça fait qu'on s'est rendu compte que l'occidentalisation, hormis les problèmes que nous avions sur le terrain, l'occidentalisation de notre combat constituait un obstacle majeur que nous rencontrions au quotidien et notamment selon les actions que nous menions. Et par rapport à ça, on s'est remis en question, on a remis en question nos stratégies. Et pour ça, il a fallu essayer de voir qu'est-ce qui était approprié dans le travail que nous faisons. On a opté pour la contextualisation de notre combat. Il a fallu rester dans notre contexte pour pouvoir bien dialoguer parce que la communication passe facilement si on se comprend, si on utilise aussi des mots compréhensifs que les autres n'ont pas trop à se poser la question. Et on a opté pour la contextualisation de notre combat. Donc, ça veut dire que la lutte que nous menons, au lieu de parler de LGBTQI-phobie, on parle de la lutte contre les violences et discriminations basées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Au moins, là, c'est global. C'est pas, on ne dit pas qui sont les gens parce que quand vous vous présentez, là, c'est vraiment de façon empirique qu'on a avancé. On a pu apprendre lors des réunions, que c'était un peu difficile de se présenter en tant que lesbienne, en tant que gay, que de se présenter en tant que minorité sexuelle. Et là, c'était un concept déjà de plaidoyer pour revendiquer une place minoritaire au niveau de la société, mais aussi s'éloigner de tout ce qui était occidentalisation et éviter qu'on puisse nous taxer de copier l'Occident dans ce que nous faisons. Donc, il a fallu faire sur des questions identitaires, parce que l'identité est quelque chose de culturel, est quelque chose d'ancré. Et il a fallu trouver, faire en sorte que nous puissions avoir une identité qui pouvait nous sortir un peu de ce piège occidental. Et on a
commencer à valoriser une sociologie LGBT, si je peux le dire, ou des minorités sexuelles et de genre qui existent entre les deux Congos, c'est le Kipopo. Il y a les identités qui sont là, que nous ne pouvons pas superposer parce que ça ne sera pas les mêmes significations. On ne pourra pas superposer ça sur l'alphabet LGBTQIA+, parce que ce sont des termes qui sont nés dans un contexte bien précis, qui respectent un contexte. Et quand on explique ces terminologies-là, c'est vraiment global. Quand on parle de Chong, Chong, c'est ou Kwandenge. Kwandenge, c'est un terme qui nous vient du Cameroun. Kwandenge représente une personne qui fait la vie. Donc, quand on dit la vie, il a des rapports sexuels avec d'autres hommes. C'est une personne qui s'exprime dans un genre différent que celui reconnu par la société, donc les minorités de genre. Voilà, donc vous voyez, ce sont ces termes-là qui entrent vraiment dans le contexte, dans notre contexte à nous. Et étant donné qu'il s'agit des questions identitaires, parce qu'on ne peut pas venir nous dire qui nous sommes, parce qu'avant qu'on vienne nous dire, nous existions déjà. Et comment on existait. Et ce sont ces questionnements-là qui sont toujours en cours, qui nous ont permis de mettre en avant le concept minorité sexuelle et de genre, parce que c'est vraiment global. Excusez-moi, c'est global et vraiment très représentatif. Et en second lieu, l'acronyme LGBT+. Donc, principalement, nous parlons des minorités sexuelles et de genre. Et secondairement, l'acronyme LGBTQIA+, qui est devenu vraiment tout un alphabet, qui ne fait que grandir. Ça démontre vraiment la diversité. Mais pour nous, il faudrait d'abord comprendre c'est quoi le Q, c'est quoi le ceci. Il faut vraiment toute une étude pour comprendre qui tu es réellement. Et pourtant, quand nous vivons, nous existons, nous vivons dans nos sociétés, nous avons notre sociologie, nous avons créé notre langage de résistance, il y a quasiment toute une culture qui existe que nous n'exploitons pas et nous avons pris la décision de commencer à exploiter ça et d'utiliser des concepts un peu plus simples qui peuvent faciliter le dialogue avec nos autorités. Parce que quand on se présente en tant que minorité, oui, la porte vous sera ouverte parce que nous sommes des minorités, il y a tel problème que nous connaissons. Mais quand vous vous présentez en tant que bi, en tant que queer, en tant que c'est déjà... Certains ne comprendront pas, il faut d'abord leur expliquer c'est quoi et le temps d'avoir cette explication-là. Vous voyez, c'est d'abord, il n'y a pas un lien qui existe directement entre nous et les personnes qui nous écoutent. Parce qu'ici, on parle d'homosexuel, on ne parle pas de queer, on ne parle pas de bisexuel, on parle, tout le monde est homosexuel, tout le monde est homo, voilà. Donc, quand on dit nous sommes des homos, on vous regarde déjà comme ça. Au moins là, le message passe. Mais quand on parle de termes de minorité sexuelle et de genre, déjà, il y a le terme minorité qui est là. Et c'est une sorte de plaidoyer que nous faisons déjà indirectement, mais aussi pour des questions identitaires. Très bien, merci. Et du coup, quel est le mandat de votre association, Cœur Arc-en-Ciel? Quelles actions vous menez finalement pour sensibiliser, pour déconstruire les mentalités? Bon, Cœur Arc-en-Ciel, comme vous avez dit... Nous, au niveau national, puisque nous menons des actions tant au niveau national qu'international, au niveau national, dans les deux branches dans lesquelles nous travaillons, la lutte contre les violences et les discriminations basées sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre, et aussi du côté VIH. Je commencerai d'abord du côté VIH parce que c'est classique. Il y a l'appui du Fonds mondial, mais je signale que en 2018, le Congo, avec l'appui du Fonds mondial, avait fait l'enquête IBBS pour avoir les estimations de prévalence du VIH auprès des populations clés. En 2018, on a réalisé que la prévalence avait vraiment augmenté de 26,1 à 41,2% pour le VIH auprès des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Bon, là, c'est vraiment général parce qu'on prend aussi les minorités de genre, comme la sensibilisation se fait par... comme on dit, les Chong. Donc, les Chong, c'est quelque chose vraiment contextuel congolais. Et quand nous allons vers nos pères, on tient compte de la diversité qui existe. On n'a pas à traduire ça en français pour pouvoir bien se comprendre, mais déjà, qui est Chong, qui fait la vie, qui est Madès, voilà. Donc, ce sont nos terminologies à nous, notre sociologie à nous que nous utilisons. Et quand on a fait cette... prévalence, cette enquête, on a constaté que c'était à 18%, plutôt à 41,1%. Les IST, c'était à 42,1%. Donc, il y avait une montée des prévalences.
Et la même année, le Fonds mondial avait décidé d'arrêter les activités de prévention. Donc, de 2018 à 2020, il n'y a pas eu d'activité de prévention. Il a simplement fallu profiter des rassemblements du 17 mai que nous avons stoppés aussi à cause de COVID pour faire passer des messages de sensibilisation. Et c'est un peu ça la difficulté. Mais actuellement, avec Expertise France, il y a la reprise des activités de sensibilisation et nous participons aussi à ce cycle de sensibilisation. Du côté lutte contre les violences et discriminations, c'est un peu là où, parce qu'au niveau du VIH, il y a déjà des politiques nationales, il y a beaucoup qui est déjà mis en place pour pouvoir lutter contre la pandémie. Nous avons déjà l'implication de l'État, il y a les partenaires, il y a le Fonds mondial qui existe. Mais qu'en est-il de la lutte contre les violences et discriminations basées sur l'orientation sexuelle et identité de genre? Il n'y a aucune politique nationale qui existe, même quand nous avons fait l'évaluation de l'environnement juridique et des politiques publiques au niveau de la République du Congo pour savoir si les minorités sexuelles et de genre étaient prises en compte. Cela était négatif parce que c'est un groupe qui n'a pas été mis en prise en compte. Quand j'essaie de parler, je donne un exemple simple. On essaie de parler de l'éducation de la jeune fille ou du jeune garçon, c'est dans la communauté, c'est à la femme, dans la maison et qu'on sort. Mais qu'en est-il des jeunes homosexuels? Qui les éduque sur le plan sexuel? Est-ce qu'il y a un programme spécifique pour ça? Non. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons des jeunes qui sont plus exposés au VIH. Le VIH est beaucoup plus répandu au niveau des jeunes. Pourquoi? Parce que il y a ce gap-là, ils ne savent pas, ils sont vulnérables, ils n'ont pas l'information, ainsi de suite. Donc, il y a en fait cette brèche-là qui fait que nous, en tant qu'association, mais aussi en synergie avec les autres, nous sommes en train de travailler pour lutter. Et par rapport à ça, les actions que Cœur Arc-en-Ciel mène au niveau national, hormis côté VIH, nous avons initié la célébration de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie, que nous organisons dans le cadre d'une soirée qu'on appelle la fierté par la lipotarisation, qui est la promotion de la neutralité. Le pagne, c'est un tissu qui est neutre, que les hommes peuvent porter, les femmes peuvent porter. Parce qu'en Afrique, la troisième personne du singulier en Afrique est neutre. Quand je parle ma langue, je n'ai pas à dire il, je n'ai pas à dire elle. C'est quand je parle français qu'il y a cette complication-là, ou l'anglais. Mais chez moi, quand je parle ma langue, la troisième personne est neutre. La troisième personne est neutre, je n'ai pas à genrer. Je n'ai pas à genrer cela. Donc, vous voyez, et il y a cette neutralité-là que nous n'exploitons pas, bien que cela existe chez nous, que nous n'exploitons pas. Et pourtant, il y a cette neutralité-là. On se bat lors de réunions, quel est ton pronom? C'est il, c'est elle, c'est machin. Et pourtant, chez moi, je n'ai pas besoin de ça. Quand je suis dans ma communauté, je parle ma langue. Je n'ai pas besoin de dire j'ai il, je n'ai pas besoin de dire elle, mon pronom, c'est il, non. Ça, c'est vraiment les complications de la langue française. Mais moi, dans ma langue, le Lingala, que ce soit le Kituba, qui est la langue nationale, la troisième personne est neutre. Quand je parle, je m'adresse à une personne, je dis A. A, c'est pour le masculin, c'est pour le féminin. Il y a déjà cette neutralité-là. Et ce sont des éléments que nous avons dans notre culture, que nous n'explorons pas. Nous n'explorons presque pas. Nous ne valorisons pas. Nous avons. Il y a ça. Et cette soirée-là, c'est la lipotarisation. Donc, le pagne, c'est le pagne. Le pagne, c'est un tissu qui est neutre. Voilà. Et ensuite, on a aussi des actions de sensibilisation que nous menons, de lutte contre les violences basées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Avec notre partenariat avec AEDH, on a pu élaborer un guide de sensibilisation contre les violences et discriminations basées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Et ce document est le fruit d'un travail qui a été fait sur place. Parce que certes, il y a la revue documentaire qui se fait, mais le travail que nous faisons doit faire en sorte que cela reflète notre contexte. Parce que quand nous faisons, nous menons des actions sans prendre en compte notre contexte, cela peut parfois tourner au vinaigre. Et ce document est basé sur des témoignages, des enquêtes que nous avons menées en 2017 et en 2020 sur des cas de violence et discrimination. Donc, c'est sur base des informations que nous avons reçues que ce document a été élaboré. Ce document permet de faire la prévention des violences, mais aussi la réparation. Pour faire la prévention, c'est sur base notamment des témoignages. Comment X a été pris en flagrant délit, pourquoi on l'a tabassé en route, quelle a été la cause. Et sur base de ça, nous avons élaboré un document que nous mettons à la disposition de nos bénéficiaires pour qu'ils puissent éviter, prévenir les cas de violence et discrimination. Donc, il y a un peu ça et ces actions que nous les menons au niveau national. Et il y a aussi la sensibilisation du grand public. Quand je dis sensibilisation du grand public, c'est au travers de l'art. Je pense qu'on pourra aussi en parler. Donc, nous avons développé
la stratégie, parce que les actions que nous menons, nous organisons des ateliers, nous faisons des plaidoyers, nous allons chez les décideurs. Mais le problème avec les décideurs, c'est quoi? Ils ont peur de leur électorat. Vous voyez, c'est comme l'activiste africain l'a dit précédemment, ils ont peur de leur électorat. Et c'est un problème partout. L'autorité en tant qu'individu peut avoir ses convictions personnelles. Peut se dire que moi, non, ça, mais quand il vient au niveau de son engagement politique, il se rend compte ou elle se rend compte qu'il perd son électorat par le simple fait d'approuver, d'avoir un avis positif sur l'homosexualité ou les personnes, les minorités sexuelles et de genre, en disant que ce sont des êtres humains. Et quand vous dites ça directement, on rétorque qu'ils veulent imposer le mariage pour tous, ils viennent nous imposer tout ça là. Et pourtant, chaque pays a ses priorités. Les priorités du Congo ne sont pas celles du Cameroun. Le Cameroun diffère de la Côte d'Ivoire. Donc, chaque pays a ses priorités. Et on ne peut pas aujourd'hui vouloir, comme la France a adopté le mariage pour tous, nous ici, ici au Congo, nous voulons adopter cela. Est-ce que cela fait partie de nos priorités? Est-ce que nous n'avons pas d'autres problèmes plus urgents que cela? Donc, malheureusement, c'est un peu ça les clichés que nos autorités ont dans la tête. Et quand viennent les moments, aujourd'hui, l'homosexualité est utilisée comme instrument politique pour pouvoir éviter de parler de trop, de faire son bilan politique ou de parler de l'économie, un vrai débat de société digne de ce nom, et on préfère parler de l'homosexualité parce que là, au moins, tout le monde dira oui, c'est comme un parcours d'évangile, et on va perdre beaucoup plus de temps à évangéliser là-dessus, et quand viendra le moment des débats, on survole simplement son projet, et voilà. Et là, c'est un peu ça le problème. Donc, on a compris cela et on s'est dit qu'il faudrait mener des actions à deux niveaux, au niveau des autorités ou des décideurs ou les leaders d'opinion, mais aussi au niveau de la population ou de la masse, de manière à ce que le changement se fasse à deux niveaux. Parce qu'il y a des sociétés où il y a eu des lois qui ont changé la culture, mais d'autres, la culture a changé pour pouvoir changer les lois. Donc, ce ne sont pas les mêmes contextes, il faut pouvoir se situer. Et nous, on n'est pas, ça sera difficile pour nous aujourd'hui d'adopter une loi qui protège les minorités sexuelles et de genre sans pour autant avoir derrière des gens qui feront des récupérations politiques pour pouvoir utiliser ça comme ils veulent, comme un argument facile. Parce que c'est aujourd'hui, quand on parle de l'homosexualité, c'est tellement facile de critiquer les homos, les minorités sexuelles de genre que Bien sûr. de faire autrement. Donc voilà, c'est un peu ça que Il y a des problèmes de compréhension finalement, et moi il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans votre travail chez Cœur Arc-en-Ciel, c'est le plaidoyer art. C'est quoi le plaidoyer art? Notamment, on a j'ai vu des vidéos de danse, il y a un film aussi qui a été réalisé, on n'en dira pas trop parce qu'il y a une projection débat qui est prévue le 17 juin, mais on en reparlera tout à l'heure. En quelques mots, Jean-Claude, en une minute, le plaidoyer art, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites pour Cœur Arc-en-Ciel? Et à quoi sert le plaidoyer art? Ouais, le plaidoyer est une idée qui est née au Burundi, plutôt au Rwanda, quand on avait organisé un sommet. On cherchait des stratégies pour faire passer le message. Comment faire le plaidoyer? On s'est dit, on organise des réunions, on organise des rencontres, des rendez-vous. Mais quand on regarde sur le terrain, l'évolution, le changement n'est pas là parce que les mêmes mentalités sont là. Il faut trouver des canaux pour pouvoir toucher plus de gens, pour pouvoir faire passer facilement le message. Et on a décider d'associer notre plaidoyer avec de l'art. C'est là où le concept plaidoyer est né. Le plaidoyer, c'est faire le plaidoyer au travers de l'art, faire le plaidoyer avec de l'art. Parce que quand on fait le plaidoyer au travers de l'art, l'art nous permet de faire passer des messages dans des endroits où on ne pourra pas y accéder. L'art nous permet de toucher des personnes que nous ne pouvons jamais retrouver lors des réunions ou des ateliers que nous organisons traditionnellement. Et l'art est toujours utilisé, même pour des spots publicitaires, même pour des campagnes de vaccination. Et quand on met en avant l'art pour faire passer le message. Et nous, au niveau du Congo, on a aussi développé ce concept-là en utilisant l'art. Et parmi l'art que nous avons utilisé, il y a les chansons, il y a la danse. Et cette année, il y a eu une innovation avec un film que nous avons réalisé pour faire la sensibilisation contre les violences et discriminations basées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre en République du Congo, mais qui sera francophone parce que le film est réalisé en français sous-titré. Des parties où on a parlé notre langue nationale sont sous-titrées en français. C'est pour permettre aussi à d'autres pays francophones de pouvoir l'utiliser. Il y aura aussi une version anglaise qui va pouvoir sortir aussi.
Bien. On a hâte de visionner ce film. Merci. Merci beaucoup, Jean-Claude. On reviendra vers vous pendant les questions-réponses avec le public. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans l'outil Q et R qui s'affiche en bas de votre écran. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions aux intervenants et aux intervenantes. On y répondra en seconde partie de la conférence. Maintenant, on va passer au Cameroun avec Miss Pourchia qui nous a rejoint. Bonjour, Miss Pourchia, ça va bien? Bonjour, c'est vrai que j'ai eu un souci de connexion tout à l'heure. Après, j'ai eu à perdre le fil de la conversation, mais c'est bien qu'il finit là. D'accord, très bien. Et moi, je voulais rectifier une petite chose d'abord. Pendant mon introduction, je m'excuse, j'ai parlé de l'article 347 bis, mais en fait, c'est l'article 347-1. Voilà. C'est la ligne 1. Voilà. Voilà, c'est ça, je m'excuse. Bon, Miss Ponchia, vous êtes la présidente, c'est ça, fondatrice de Transigeance Action Féministe. Votre but, c'est la défense des droits des personnes LGBTQI+, transgenres, hommes et femmes, minorités sexuelles, minorités ethniques. Moi, j'ai l'impression que vous avez une approche intersectionnelle, c'est complètement assumé. C'est quoi Oui. l'intersectionnalité et Oui. que fait Transigeance Action Féministe au Cameroun? Okay. Donc, transition action Cameroun, comme je disais de ma présentation, de manière brève, c'est travailler avec des minorités sexuelles et de genre, ethniques aussi, notamment les trans hommes, les trans femmes, les travailleurs du sexe, les personnes intersexes, les minorités ethniques et de caste. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait dans notre pays comme une certaine Je intersectionnalité. crois qu'on a des petits problèmes de communication avec Miss Pourchia. On reviendra vers vous peut-être un peu plus tard. Et puis dans tous les cas, vous pouvez retrouver le portrait de Miss Pourchia sur le site internet de la campagne Fierté sans frontières. On a fait un portrait écrit et puis je vous propose qu'on fasse une vidéo a posteriori pour vous présenter et puis on l'espère avec une meilleure connexion. Moi, j'avais déjà discuté avec Miss Pourchia auparavant et ce qu'elle m'avait expliqué, c'est que Transigeance Action Féministe. Et donne Oui, allô? Transigeance Action Féministe, finalement, c'est une organisation qui fait de la sensibilisation, qui fait de l'information, de l'éducation, de la prévention aux droits santé, sexuels, reproductifs, aux droits humains aussi, parce que les droits humains, et c'est la conviction de Miss Porchia, devraient prendre davantage en compte les questions liées aux personnes transgenres et à la transidentité. Et finalement, ils font aussi de l'assistance psychologique. Sa vision, c'est un monde où les personnes transgenres pourront être incluses dans la société. Une chose qui était aussi très intéressante, mais vous pourrez le retrouver dans son portrait, c'est que finalement, elle, son combat, c'est de montrer que la transidentité et l'homosexualité, ce sont deux choses bien différentes. Et à ce titre, il y a beaucoup de sensibilisation qui est faite auprès des autorités et auprès des forces de l'ordre dans une optique de chercher des alliés. Les alliés, justement, au sein des forces de l'ordre, des autorités. Parce qu'un allié, finalement, c'est une personne qui va aller à son tour sensibiliser ses pairs, PAIRS, je précise. Voilà. Bon. Navré pour ce petit souci technique, je vous propose qu'on passe aux questions et réponses. J'ai déjà une question une question ici, je vais peut-être la poser à l'activiste africain. Bonjour, est-ce que vous trouvez facilement des avocats prêts à défendre les personnes LGBTQIA+ lorsqu'elles sont arrêtées? Dans notre, au niveau du Sénégal, ça a été très difficile durant des années. Et au fil du temps, ce qu'on avait, c'était des avocats, finalement, à la dernière minute, qui acceptaient de plaider parce qu'ils savaient qu'autour de ces arrestations, il y avait des organisations au niveau national comme international qui essayaient de venir en aide. Donc, finalement, ils les taxaient à peu près, des fois, on avait vu des avocats qui nous demandaient 3 millions, 3 millions 500. On a vu des avocats qui nous ont demandé 2 millions, 1 million 500. Alors que
Nous, dans notre pays, pour obtenir un avocat pour ton dossier, ça ne dépasse pas 600 000. Mmh. Ça a été une situation. Donc, quand notre organisation est arrivée, on intervient dans le cadre des droits humains aussi, avec la CEDH, bien sûr. Nous avons eu d'abord à faire un certain plaidoyer pour voir au niveau national est-ce qu'il y avait des cabinets qui pourraient travailler directement sur la question. Mmh. Et heureusement, nous sommes tombés sur des avocats qui ont eu à faire un stage au niveau du cabinet de l'ancien ministre de la Justice, M. Sidiki Kaba, qui a effectivement siégé au niveau des Nations Unies dans le cadre des groupes vulnérables, notamment LGBT, qui avait pris aussi beaucoup de positions sur ça. Donc, on a eu à avoir des cabinets dont les avocats ont eu à faire stage au niveau de son institut. À partir de là, on continue à travailler avec eux. Mais là, je peux dire que ce problème-là est en train d'être un tout petit peu réglé parce que notre cabinet commence à travailler. On est actuellement sur 3 avocats qui arrivent à intervenir actuellement dans des cas spécifiques. Et nous sommes en train de s'agrandir pour arriver sur 5 avocats effectivement pour pouvoir couvrir une certaine pool d'avocats lors de nos interventions. Et j'espère qu'au courant de la fin du mois, nous avons des avocats que nous sommes en train de consulter. Donc, je pense qu'à la fin du mois, effectivement, nous arriverons à avoir au niveau du Sénégal, au sein de notre organisation, effectivement, en coopération avec la HCDH, à mettre en place 5 avocats qui seront disponibles, effectivement, non seulement à défendre les gens qui seront persécutés au niveau de la communauté qui sont en prison, mais effectivement aussi de pouvoir le faire avec le moindre coût. Parce que comme nous le savons, les difficultés financières sont partout. Et dans la logique du plaidoyer, pour pouvoir garantir la sécurité des uns et des autres aussi, c'est de pouvoir faire le plaidoyer au niveau des avocats, ce qui manquait. Parce que tout ce qu'on disait d'habitude aux avocats, oui, les jeunes sont arrêtés, on peut vous donner tant de millions, on peut, parce que chacun vous... voilà, on voulait court-court avant un avocat, mais au fil du temps, cette situation ne pourrait pas durer. Il fallait convaincre, parce qu'il y a beaucoup d'avocats au Sénégal, tout le monde n'est pas homophobe, mais il fallait mettre en place une stratégie de pouvoir définir sur le lot quels sont ceux qui pourront pouvoir effectivement prendre des dossiers juridiques. Mmh. D'accord. Jean-Claude, au Congo, ça se passe comment? Est-ce que vous trouvez facilement des avocats pour défendre les minorités sexuelles et de genre? Est-ce qu'il existe des... Oui, ce que je peux dire par rapport aux avocats, c'est que déjà d'emblée, non. Ce que nous faisons, c'est quoi? Quand il y a des cas comme ça, nous-mêmes nous suivons, parce qu'on n'a pas... suffisamment d'argent pour avoir un avocat. Normalement, on devrait en avoir sur Brazza et sur Pointe-Noire, mais malheureusement, on n'en a pas. Et quand il y a des cas comme ça, on essaie de gérer ça vraiment selon les affinités que nous avons, les possibilités. C'est tout ce que nous faisons, parce qu'on a, on n'a pas un cabinet qui peut suivre un dossier directement. Voilà, c'est ça. Mais c'est juste par manque de moyens. Mais quand il y a des problèmes, nous trouvons des solutions, on essaie de voir des affinités, qui peut faire quoi pour décanter quelle situation. Donc, c'est un peu ça ce que nous faisons. Mmh. Merci. Miss Sophia, tu nous entends? Tu es là? Allô? Miss Sophia, tu nous entends? Miss Porchia, je voulais te poser la question, la même question finalement sur les avocats, et je voulais te parler plus précisément de Alice Nkom, du coup, que j'avais cité en introduction, qui est avocate et défenseuse des droits des minorités sexuelles. Et là, ce que je trouvais intéressant, je crois que Miss Porchia a du mal à répondre, mais du coup, je vais peut-être tenter une réponse à sa place. Alice Nkom, par exemple, c'est une défenseuse des droits des minorités sexuelles. Elle est très engagée sur les questions de défense, notamment des personnes transgenres. C'était l'avocate de Shakiro, dont on a parlé en début de conférence. Et ce qui est peut-être un peu alarmant, c'est que l'avocate, en l'occurrence, devient à son tour cible de menaces, de mort, de persécution. J'ai une autre question qui nous vient de Laure Boukabza, qui nous demande, qui nous salue déjà, bonjour. Pensez-vous que dans les pays africains ne l'ayant pas aboli, la peine de mort peut être prononcée à l'encontre de personnes LGBTQI+, de façon directe ou indirecte? Si oui, existe-t-il des études sur le sujet?
Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à cette question, Jean-Claude, l'activiste? Oui, je peux tenter. Ce que je peux dire, c'est quoi? Déjà, la peine de mort... la peine de mort, la sentence de peine de mort est combattue au travers le monde, notamment aussi dans nos pays. Et on n'a pas un cas où il y a eu, jusque-là, là je parle d'abord chez moi, on n'a pas eu un cas, mais cela existe dans d'autres pays africains. Je crois qu'il y a trois pays, il y a le Soudan, il y a le nord du Nigeria et la Mauritanie où l'homosexualité est punie de mort. En Afrique, il y a trois pays. Il y a trois pays, mais une jurisprudence par rapport à ça ou des cas spécifiques, jusque-là, non, je ne saurais pas répondre. Là, il faudrait vraiment qu'on se rapproche des activistes ou des associations de ces pays-là pour nous permettre de savoir si réellement cela a déjà eu lieu. Mais dans notre pays, ici, la peine de mort n'est plus prononcée. Et si on condamne quelqu'un à la peine capitale, c'est pour d'autres faits de droit commun, mais pas pour ça. Il y a eu un cas en RDC, il y a eu un cas en RDC où la personne a été... c'était un cas d'homicide volontaire et la personne, le prévenu avait été condamné au maximum, c'était je crois 20 ans de prison pour avoir tué son partenaire. Bon, c'était son partenaire occasionnel, ce garçon-là, c'était pas sa première fois de faire des forfaits comme ça. Et là, apparemment, il a même encore été libéré, je pense conditionnellement à Kinshasa, il y a eu un cas comme ça. Mais des cas de condamnation à peine capitale, pour le moment, porte des gants, non, chez moi, non. Et les trois pays, là, il faut fouiller dans ces trois pays là, africains pour savoir si réellement des peines comme ça ont été déjà en cours. Mmh. D'accord, très bien. Merci. Allô? Oui, l'activiste africain, vous vouliez réagir? Oui, je voulais juste réagir par rapport aux peines de mort, effectivement, comme a dit Jean-Claude. Hein. Déjà, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, par exemple, au Sénégal, on n'a pas effectivement la peine de mort, c'est aboli. Mais à un moment donné, nous avons, comme effectivement a dit Jean-Claude, des peines capitales. Et chez nous, toute peine capitale est accompagnée par rapport aux travaux forcés. Même pour les cas de viol aujourd'hui qui a été criminalisé, d'habitude c'était 10 ans. Je pense que depuis qu'ils l'ont criminalisé, c'est passé plus de 10 ans. Et déjà, avant que tout soit jugé, tu peux faire déjà 7 ans. Donc voilà. Le problème par rapport à la communauté gay, effectivement, c'est nous ce que nous craignons parce que sur la loi que les homophobes, que le gouvernement promulgue, effectivement, il est tenu compte sur ce que nous savons, les homosexuels qui seront condamnés aussi avec affaire de travaux forcés. Et nous savons tous au Sénégal que le... quelqu'un qui répondait du nom de Mamadou Dia avait créé la prison qui s'appelle la prison de Kédougou, la prison la plus difficile du Sénégal où la plupart des personnes qui sont condamnées aux travaux forcés vont là-bas. Des gens de la communauté gay, demain, si cette loi la passe, effectivement, on peut se confronter à une situation qui ne sera pas de la peine de mort, mais effectivement, ça, pour nous, en tant qu'activiste, on le prend comme peine de mort parce qu'une personne de la communauté gay qui est envoyée à Kédougou pour casser des bières de 5h du matin à 19h30 du soir, tu ne vas pas vivre longtemps. Ça, c'est clair. Et l'autre chose qui nous inquiète, on arrive à une population au niveau de la communauté gay avec 27,6% des personnes qui vivent avec le VIH. Le taux de contamination continue à s'élever de jour en jour. L'absence de prévention a causé ces difficultés aujourd'hui, modère encore ce qui se passe le problème. Donc, je pense que pour nous, si cette loi passe, effectivement, on passe notre conception, c'est qu'il nous passe en peine de mort. Hein. On ne peut pas le voir autrement parce que la menace est telle que personne d'entre nous ne peut se voir retrouver en 8 ans de prison, 10 ans, parce que la peine était arrêtée déjà sur 5 ans avec l'article 319. S'il veut criminaliser, il veut que la peine passe de 5 à 10 jusqu'à 15 ans. Donc,
Voilà, nous, on n'a pas ça directement, mais on le voit venir quand même, la communauté. Mais finalement, la peine de mort s'est assimilée, et je pense notamment au Cameroun aussi, c'est exactement la même chose, hein. On rappelle que, par exemple, les femmes transgenres dans les prisons de Douala, par exemple, sont violées, passées à tabac, en prison par les autres détenus, par les gardiens, et quand c'est les détenus, les gardiens n'interviennent pas, et 5 ans de prison, en quelque sorte, c'est une peine capitale déguisée. Une autre question d'un internaute qui nous demande s'il existe un ou plusieurs réseaux panafricains sur ces questions. Est-ce qu'il existe des réseaux panafricains? Donc, je sais qu'il existe, on sait qu'il existe des réseaux nationaux, par exemple. On en parlait tout à l'heure avec l'activiste africain. Au Cameroun aussi, c'est la plateforme Unity. Mais du coup, est-ce qu'il existe un ou plusieurs réseaux panafricains sur ces questions? Jean-Claude, peut-être que tu souhaitais répondre, ou l'activiste africain? Oui. Bon, ce que je peux dire, quand on dit réseau panafricain, par rapport à quoi? C'est par rapport au militantisme ou à la lutte contre les violences et discriminations. J'ai pas trop bien compris. Je pense que c'est par rapport à la lutte contre les violences et les discriminations, hein, des regroupements d'organisations, Un regroupement d'organisation. Oui, il y a des regroupements, bon, qui sont quasi récentes, hein. Il y a eu des associations qui ont mené des actions sur plusieurs territoires. Là, c'est beaucoup plus en Afrique de l'Ouest, qui travaillent en partenariat avec d'autres associations. Et actuellement, il y a Fierté Afrique francophone qui existe. Il y a Égide. Bon, Égide, c'est l'Alliance francophone internationale pour l'inclusion et les diversités. C'est au Canada, mais il y a des associations de l'Afrique qui y sont membres. Oui, il y a ça, il y a aussi Solidarité internationale LGBT qui existe, qui travaille en partenariat avec d'autres Africains. Mais au niveau africain, comme tel, il y a Fierté Afrique francophone et beaucoup plus Égide, mais intra-africain, comme je dis, c'est vraiment récent. C'est récent. Mais il y a aussi Panafrica ILGA, excusez-moi, il y a Panafrica ILGA qui existe, oui, au niveau africain, Panafrica ILGA, mais Panafrica ILGA, c'est ce que l'on reproche, c'est beaucoup plus anglophone, voilà. Mais il y a Panafrica ILGA qui existe. D'accord. Et juste pour répondre sur cette question, nous, au niveau du Sénégal, comme au niveau du Mali, nous avons ce qu'on appelle le RENAPOP, le Réseau national des populations clés, qui forme encore une autre région, encore des sous-régions au niveau de la sous-région. C'est comme Jean-Claude a dit, hein, déjà nous, notre collectif est membre de l'UGIP, mais la situation que nous avons constatée présente depuis septembre. Jusqu'à nos jours, par exemple, notre organisation est membre d'Égypte. Tout l'international aujourd'hui est en train de voir ce qui se passe au Sénégal, mais il n'y a pas d'intervention directe. On ne sent pas l'intervention directe. Il n'y a pas d'intervention directe et on a vu que lorsqu'on a créé aussi des comités de surveillance par rapport à tout ce qui devait se passer avant le 23 et après le 23, on avait plus de partenaires qui étaient à l'international, en France d'ailleurs. Mais on n'avait pas au niveau africain, on ne le sentait pas. Au niveau africain, on ne le sentait pas vraiment. Et la deuxième chose aussi, c'est assez difficile. Bien, bon, ça va pas être difficile, mais il faudra qu'on mène, nous, ensemble, l'ensemble des leaders au niveau africain, qu'on essaie de voir comment réagir face à cette situation-là. Parce que tout ce qui se passe actuellement au Sénégal, s'il y avait un réseau panafricain, normalement, il devait saisir le cours des droits de l'homme africain, etc., etc. Et c'est non seulement voilà, de mettre des actifs sur place pour dénoncer la situation, mais jusqu'à présent, on voit que soit c'est des associations au niveau de la France qui arrivent eux-mêmes à prendre leurs responsabilités au devant de la chose, mais au niveau africain, bon, ça ne bouge pas. Nous, au niveau du Sénégal, on a le RENAPOP, ça ne bouge pas parce que la situation est telle que, bon, personne ne veut prendre ses responsabilités sur certaines situations. Et il faudrait qu'on songe, si on veut plus qu'on nous parle que voilà, l'homosexualité est importée de l'Occident, il faut que d'abord que la communauté LGBT et les leaders et activistes prennent les responsabilités par rapport à leur propre discours et prennent les responsabilités par rapport à ce qui doit se passer et sur certaines décisions à prendre.
Sophia, on réessaye. Je vous laisse activer votre micro. Là, le micro est désactivé. Voilà, c'est bon. Bon, je sais pas. Allô, allô. Oui, je t'écoute. J'ai tellement de problèmes de connexion ici. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que le réseau, ça va être un peu ici au Cameroun. Là, ça va. On vous entend à peu près bien. Donc, du coup, je vais vous poser la question que j'ai posée aux autres intervenants, c'était de savoir s'il existait des réseaux panafricains. Mais peut-être que vous pouvez aussi nous parler de la plateforme Unity. Est-ce que les organisations LGBT au Sénégal travaillent ensemble? Est-ce que les organisations LGBT, les organisations de défense des minorités sexuelles et de genre, travaillent ensemble au Cameroun? Est-ce qu'elles s'organisent en réseau? Oui, je pense qu'il y a de plus en plus de connaissances des réseaux et même des plateformes au Cameroun. Les organisations LGBT depuis plus ont compris l'urgence qu'il y avait à travailler ensemble, se mettre ensemble pour une force. Nous avons par exemple au Cameroun le réseau indépendant des transgenres africains qui est né en 2019, qui réunit ensemble des organisations transcamerounaises, notamment Transigence Action, Positive Hygiène, Transgal, Femmes de Bouillie et autres. Nous avons aussi la plateforme Unity, qui est la plus grande plateforme camerounaise existante dans notre contexte, qui réunit toutes les organisations, toutes les 34 organisations existantes au Cameroun, les organisations identitaires et les organisations trans. Donc, oui, nous avons compris l'urgence à travailler ensemble. Et nous, dans cette plateforme, nous organisons des activités de plaidoyer aussi. Nous venons aussi en aide à certaines organisations qui ont encore du mal à émerger. Quand je parle d'émerger, c'est sur le plan technique, sur le plan matériel. Donc, les organisations déjà qui ont atteint certains cap, n'est-ce pas, sur certaines activités ou même sur la gouvernance, aide les associations, n'est-ce pas, encore nouvelles, à pouvoir se renforcer. Quand je parle de renforcement, je pense du renforcement sur tous les plans, que ce soit technique, que ce soit en termes de payer, que ce soit en termes d'activité, même au niveau de la bonne gouvernance. Donc après, on a pris cette urgence de se mettre ensemble pour apporter le plaidoyer du groupe. Entendu. Bon, je profite que la connexion soit bonne pour revenir en arrière, enfin un bond en arrière, et puis après on prendra encore une ou deux questions. Miss Porchia, je parlais tout à l'heure de la différence entre homosexualité et transidentité. Vous, c'est une des causes sur lesquelles vous militez au sein de Transigence Action Féministe. La confusion entre homosexualité et transidentité a des répercussions directes sur les personnes trans. Oui. Et on va dire que depuis toujours, les personnes genre ont été conduites aux personnes HSH ou NSM. Et pourtant, on ne peut vraiment pas faire un lien entre la transidentité et la sexualité. Parce que vraiment, quand on se base sur l'histoire, par exemple, de la transidentité, on se rend compte que les transgenres sont des femmes. Donc, les personnes transgenres sont des femmes, et du coup, on s'identifie comme des personnes hétérosexuelles. Et donc, quand on regarde le combat aujourd'hui, en ce qui concerne la lutte pour la dépénalisation. Oui, dépénalisation de l'homosexualité, par exemple, se rendre compte que les personnes transgenres subissent, malgré elles, cette loi. Parce que après, pour une personne expressive, par exemple, qui s'identifie comme trans, pour la population générale transphobe, pour cette personne qui s'exprime directement, on fait une liaison entre l'homosexualité et le transgenre. Pourtant, on sait très bien qu'une personne transgenre
la transidentité n'a rien à voir avec l'homosexualité. Ça n'a rien à voir avec l'identité sexuelle. On peut être une personne transgenre et être une personne hétérosexuelle. Donc, la transidentité ne veut pas dire forcément, n'appelle pas forcément l'homosexualité. Et donc, il y a beaucoup de ces personnes transgenres qui subissent les représailles de l'homosexualité. Donc, il faudrait vraiment qu'on essaie de faire la part des choses et qu'aujourd'hui, on comprenne qu'il y a urgence, par exemple, à sensibiliser l'opinion publique, à sensibiliser ces personnes transphobes de la population générale, les gouvernements, les autorités étatiques, les FMO, les prestataires de santé, sur les questions de la transidentité, et qu'elles devraient comprendre qu'il n'y a vraiment pas de lien entre la transidentité et l'homosexualité. Mmh. D'accord, merci. Très bien. Et on a une autre, je reviens aux questions du public, et peut-être que tu pourrais y répondre, Miss Lucia. Et je vais regrouper deux questions même, parce qu'il y a deux questions qui sont similaires. La première question, c'est comment soutenir le militantisme LGBTQIA+, minorité sexuelle et de genre en Afrique francophone? Quels sont les besoins prioritaires? Et l'autre question qui s'en rapproche, c'est quels sont les besoins urgents des défenseurs et des défenseuses ou alors des organisations pour les droits des minorités sexuelles et de genre pour mener à bien leurs actions? De quoi vous avez besoin comme soutien? Moi, j'ai une partie de la réponse en tête, mais j'aimerais que vous y répondiez directement. On va commencer par Miss Porchia, peut-être. Oui, je pense que nous avons besoin de soutien. Je pense qu'il y a dans notre contexte, particulièrement en Afrique francophone, la guerre du leadership aussi. Ou bien, il y a la recherche des financements. Parce qu'il y a des organisations, par exemple, qui ont des activités qu'elles aimeraient bien mener, qui suivent leur plan d'action, par exemple, mais qui ne sont pas soutenus. Qui n'ont pas une certaine technique ou bien financière. Vous comprenez avec moi que rien n'est possible pareil. Rien n'est possible si les organisations ne sont pas financièrement tenues dans le cadre de leurs actions. On ne peut rien faire sans financement. C'est ce qui est sûr. Vous auriez beau rédiger des projets, vous auriez beau organiser des activités, vous auriez beau avoir une vision, des objectifs, mais si vous n'aviez pas un apport technique ou un apport financier, vous ne pourriez pas réaliser. Par exemple, dans le cadre de l'organisation des activités de plaidoyer que nous menons généralement dans le cadre de nos activités en termes de plaidoyer, ceci est rendu possible grâce au financement de certains bailleurs. Donc après, au niveau organisationnel, certaines organisations, notamment les organisations identitaires, ne sont pas à même elles-mêmes d'avoir, de pouvoir avoir une certaine garantie financière pour pouvoir organiser certaines activités. Donc, je pense que ce que nous avons pour nous à l'heure actuelle, c'est de pouvoir que la communauté internationale ou que certaines bailleurs puissent soutenir nos actions. Quand je parle d'action, ça veut dire la rédaction de nos projets, nos activités. Soutenir nos activités, comme je le disais. Donc, je pense que nous avons beaucoup plus besoin d'un apport financier et d'un soutien technique pour le renforcement de capacité, pour la sensibilisation, les formations, pour l'éducation, comme je le disais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment qu'on va être appuyé de ce côté-là. Même si nous avons la volonté de travailler, rien ne pourrait être réalisé. Mm-hmm. À mon humble avis, c'est que je pense. Donc, il y a urgence que cette organisation puisse avoir un soutien financier pour pouvoir mettre à bien les actions ou les activités sur le temps. Ça, c'est pour moi, je pense. D'accord. Merci, Miss Porchia. Jean-Claude, quel besoin spécifique pour poursuivre, pour augmenter vos actions chez Cœur Arc-en-Ciel, du soutien financier également, du renforcement de capacité? Bon, effectivement, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le travail qui a été fait grâce à l'implication et à l'appui des acteurs et actrices de terrain. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Bon, nous, on a un problème au niveau de la République du Congo, c'est qu'on n'a pas assez de ressources parce que le pays est qualifié pays à revenu intermédiaire.
Donc, du coup, il n'y a pas assez de financement. Et il y a parfois, ça peut, on peut avoir une année sans francs et il faut fonctionner. Vous voyez, ce n'est pas toujours évident. Donc, déjà, il y a un premier problème, c'est un problème de financement. Mais aussi, un deuxième problème, c'est de renforcement de capacité. Comme nous le savons, il faut toujours, de façon continue, là, ce n'est même pas quelque chose à dire, mais de façon continue, il faut toujours appuyer les associations, les structures à pouvoir se renforcer en termes de capacité parce qu'il y a des nouveaux challenges, des nouveaux défis tels que là, il y a la COVID-19 a emmené tout en ligne et on sait qu'en ligne, il y a aussi des problèmes de sécurité que nous ne prenons généralement pas en compte et cela crée des problèmes. Donc, il y a ça en deuxième position. En troisième position, il faut appuyer le partage d'expérience parce que si aujourd'hui, Cœur Arc-en-Ciel a pu travailler ou bâtir les autres stratégies, c'est notamment en ayant exploré ce que les autres font parce qu'on a décidé de ne pas faire du copier-coller, mais de l'inspirer contextualisé. Pour s'inspirer, on s'inspire toujours de quelque part, ce que les autres font et comment nous, on peut intégrer ça dans notre contexte. Donc, s'il faut appuyer, il y a aussi ça, ces visites d'échange, des partages d'expériences, ce qui fait que ça permettra, c'est que les autres, excusez-moi, on est en train de travailler ici, il y a l'électricité, après il y a du bruit. Donc, les points que je suis en train de dire, vraiment le côté financier, il faut qu'il y ait, faire en sorte que les associations aient des ressources financières, parce que grâce aux ressources financières, on aura aussi des ressources humaines. Et tant qu'il n'y a pas de ressources financières, il n'y a presque pas de ressources humaines. Hein. On aura des bénévoles qui seront là, mais gérer des bénévoles, c'est pas sur le long terme. Le long terme, donc c'est un modèle un peu compliqué à gérer. Mais il faut qu'il y ait des ressources financières. En deuxième position, comme j'ai dit, il faudrait renforcer un renforcement de capacité de façon permanente. Et troisièmement, des partages d'expérience. Merci. Identitaire n'arrive plus à recevoir des financements, ce qui nous tue. On n'a plus de ressources humaines de qualité. Comme a dit Jean-Claude, effectivement, nous avons des volontaires. Et quand on a un volontaire, tu ne peux pas l'exiger de venir à 8 heures et de descendre à 16 heures. Mais non. Il faut d'abord qu'on finance les associations et qu'on les recadre, qu'on les aide dans le cadre du management pour qu'ils puissent recevoir des financements. Savoir comment faire des rapports financiers. Savoir comment faire des projets. La plupart de nos associations au Sénégal sont confrontées à ces difficultés. Il y a des appels aux projets. Les appels au projet ne manquent pas. Il y a effectivement des appels au projet. Mais le problème en est que les associations ne sont même pas au courant de ces appels au projet. Par exemple, le fonds de Égide, le fonds Charlie Hebdo, il y a des appels au projet. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les organisations à la base de pouvoir déposer? C'est parce qu'ils n'ont pas de ressources humaines. Parce que d'ailleurs, il n'y a pas un canal d'information qui les permette d'aller directement vers ces appels au projet-là. Et ça, c'est notre réel problème. C'est-à-dire d'abord l'encadrement de notre structure, nous financer pour qu'on puisse encadrer notre structure, nous mettre sur les canaux qui nous permettent d'avoir des informations sur les fonds où nos pays sont susceptibles de pouvoir déposer et de nous donner la ressource humaine de qualité ayant les capacités de pouvoir exécuter lorsqu'on voudra aller vers ces projets-là, de bons projets qui seront peut-être probablement acceptés. C'est à la base qu'on va pouvoir commencer à gérer financièrement ce qu'on veut. En outre, c'est la prise en charge sécuritaire des leaders qui cause un réel problème. Parce que nous avons plusieurs personnes qui croient en nous, peut-être par rapport à nos actions. Mais si nous, on ne nous met pas en sécurité, financièrement, on a même des leaders au Sénégal qui ont des problèmes pour acheter leur propre cigarette. Alors que lorsqu'il y a des problèmes, ils sont au devant de la scène. Finalement, comment nous, militants, on est aussi gérés? Quels sont les militants qui sont reconnus actuellement dans la lutte au niveau international et qui sont en Afrique ou bien hors de l'Afrique et qui continuent le combat? Aujourd'hui, on a besoin de Jean-Claude, on a besoin de Miss Pocha, on a besoin de quelqu'un d'autre, on a besoin des gens qui nous représentent en Afrique dignement et qui sont reconnus. C'est à partir de là qu'on nous aide, nous aussi, en tant que militants, de pouvoir survivre. Et la survie aujourd'hui de certains militants, et je vous dis, ou présidents d'associations, nous permettra d'éviter ce qu'on appelle les détournements de fonds. Un président qui reçoit 13 millions et qui n'arrive pas à donner
dépenses quotidiennes à la maison, alors qu'on sait combien on a d'enfants ou bien de gens à prendre en charge en Afrique. C'est-à-dire, le bailleur le pousse à prendre sur les fonds et de l'utiliser autre part. C'est ce qui cause aujourd'hui certains détournements au sein de nos associations, parce que les présidents eux-mêmes n'arrivent pas à vivre. Après, vous leur donnez 13 millions, mais ils vont vivre avec des 13 millions. Il faut d'abord mettre à l'aise les leaders, avoir une cartographie au niveau africain. Des vrais leaders, parce qu'il y a des faux leaders chez nous aussi, qu'on se le dit, des partout d'ailleurs en Afrique. Et ce que je dénonce, nous avons des mercenaires économiques au sein de la communauté LGBT qui sont leaders et gays comme nous. Et je vous donne l'exemple donné, c'est qu'on a vu, il y a un leader gay qui est très connu au Sénégal, qui n'a pas, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas retenu de s'attaquer à notre organisation dans un organe de presse ici en France. Vous imaginez? En plus, il dit qu'il y a 50 personnes qui sont dans le besoin au Sénégal, alors que nous, le Haut Commissariat et l'ensemble des organisations qui tournent autour, l'ensemble de nos demandes compilées ne fait pas 150. Vous voyez combien. Aujourd'hui, nous devons avoir un certain renouveau, en fait, de notre parc de leaders. Et c'est important. Bien sûr. Ça, c'est très important. L'organisation, exactement. Peut-être de favoriser exactement. Le développement. L'autre question, c'est la question des refuges. Le collectif a fait l'expérience avec, bien sûr, l'appui de l'ambassade de France au départ. Nous avons notre premier refuge avec une capacité de prise en charge de 6 personnes. Et aujourd'hui, nous avons pris une deuxième refuge par nos propres moyens pour une capacité, avec les deux refuges compilés, on est sur une capacité de prise en charge de 14 personnes. On nous dit souvent qu'on ne peut pas installer des refuges au Sénégal, on ne peut pas installer des refuges au Bénin ou bien au Congo ou au Burkina Faso. Mais non, chacun d'entre nous, citoyens de notre propre pays, nous connaissons l'environnement de notre pays. Ce qui pousse, entre guillemets, les trafiquants à vivre pendant 10 ans sans être pris par la police, doivent, nous aussi, en tant que LGBT, on doit avoir l'intelligence d'avoir aujourd'hui, à la base, des structures de prise en charge directe qui est tenue dans le plus grand secret, qui permet de prendre en charge. Parce que le problème de la relocalisation, c'est bien, mais lorsqu'on relocalise des personnes qui sont en difficulté, on ne les aide pas parce qu'il n'y a plus de suivi d'accompagnement. On parle de victimes, on a fait l'expérience. Les victimes qui sont passées au sein de notre refuge ont, je peux dire, entre guillemets, une meilleure prise en charge. Il y avait le psychologue, il y avait la prise en charge médicale, il y avait la prise en charge pour le VIH, et il y avait l'aisance de pouvoir retrouver une certaine prise en charge, prise en confiance en soi. Mais lorsque la personne est relocalisée, on lui donne l'argent, il va, il prend sa chambre, il est là-bas, quand il est malade, on ne peut pas savoir. S'il a des besoins, on ne peut pas savoir. S'il y a des urgences, on ne peut pas savoir. Et ça, ça ne nous aide pas. Il faut connaître les refuges existants aujourd'hui au niveau des pays pour que la prise en charge d'urgence soit une prise en charge de qualité. Bien sûr. Et qui soit une c'est la condition nécessaire, mais non suffisante pour protéger une personne. Exactement. Parce que derrière, il y a la réinsertion et l'accompagnement qui est vraiment très important. Je vois que Jean-Claude lève la main très rapidement. Jean-Claude, avant que je clôture la conférence, si tu souhaitais ajouter un élément peut-être. Oui, merci. Je voulais ajouter un élément. En tout cas, c'est que l'activiste africain vient de dire, c'est ça. On dit, quand on vient chez vous, vous êtes des membres de l'association, on ne peut pas vous payer. On doit payer des personnes extérieures. Mais c'est bien. Quand les partenaires viennent financer, là, vous demandez les rapports, non? Oui. Les rapports, là, sont faits par qui? Sont faits par qui? Aujourd'hui, donc, ça veut dire que les gens qui étaient là avant, qui ont travaillé parce qu'ils étaient de l'association, quand les fonds arrivent, on ne les paye pas parce qu'ils sont membres de l'association. Mmh. On doit prendre d'autres personnes pour les payer. Et après, quand les fonds, là, vont finir, comment nos actions vont s'inscrire dans la pérennité? On vous dit, vous êtes membre de l'association, on ne vous paye pas, parce qu'on paye les factures avec le bon cœur. C'est comme ça? On voit ça quand on est dans nos pays, quand on vient dans nos pays africains, on dit que non, il ne faut pas, quand on est membre de l'association, on ne paye pas, on est bénévole. Un bénévole en Occident et un bénévole en Afrique, c'est différent. Parce que déjà, chez vous, il y a des charges qui sont prises en charge par l'État, mais chez nous, c'est l'article 15 qui dit à Kinshasa, on dit « débrouillez-vous ». Tu n'as rien à manger et tu es là, tu travailles. Comment on va faire? Un bénévole, vraiment, quand on parle du volontariat, il faut vraiment contextualiser les choses. Quand on dit que non, vous êtes de… On n'aurait même rien, on dit que vous êtes membre de l'association, on ne doit rien vous remettre. Ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas. Il faut que les gens soient là en train de se sacrifier. On préfère payer des consultants à qui on va payer 300 000 francs par jour de séjour et leur forfait pour venir vous appuyer, vous qui avez faim. Et ensuite, ils sont grassement payés, ils repartent chez eux. Voilà. Donc, vous voyez, ce sont des actions qui n'encouragent pas, au fait.
qui n'encourage pas, qui décourage. Et l'activiste africain a parlé des détournements. Effectivement, quand vous ne payez pas les gens, qui va le faire? Ils vont se servir. Arrêtons d'être hypocrites. On ne paye pas. Les gens qui sont là, ils ont des cœurs. Certes, ils ont des cœurs, mais pour une cause. Mais ils sont déjà dans des contextes où ils ne peuvent plus travailler, ils ne peuvent plus gagner leur vie par rapport aux études qu'ils ont eu à faire, simplement parce qu'ils sont en train de militer pour une cause perdue. Donc, quelle est la stratégie? Quelle est cette compagnie qui te prendra, va t'embaucher toi, qui parle déjà des groupes marginalisés, rejetés? Donc, c'est cette question-là qui n'encourage pas qu'il faut voir. On pense que ce n'est pas parce qu'on est activiste qu'on a des héritages, on a des biens. Non, il faut aussi encourager. Et c'est ça qui freine aussi ce côté-là. S'il y a beaucoup de problèmes, c'est aussi ça. On pense que quand on est activiste, les gens doivent travailler, qui sont membres de l'association, ne doivent pas être payés. Ils ne peuvent même pas avoir un perdu. Il n'y a pas d'encouragement. Et c'est ça qui décourage. Il faut vraiment revoir ça, cette politique-là. Être volontaire en France et être volontaire au Congo, chez moi, c'est vraiment deux choses différentes. Ce sont deux personnes qui sont différentes. Aujourd'hui, quand tu tombes malade, tu réalises que tu es plus vulnérable que les groupes vulnérables pour lesquels tu te bats. Pourquoi? Parce que déjà, tu n'as pas d'assurance médicale, tu n'as pas de salaire, tu n'as rien, mais tu es là en train de parler. Tu dois payer Internet, tu dois faire cela. Et après, comment on va faire? Il y a quelqu'un qui doit payer quelque... à un moment donné. Qui va payer? C'est ça le problème. Merci beaucoup. Ouais. Merci Jean-Claude pour ces précisions et ces éléments supplémentaires. Je suis navré, on a un peu débordé sur l'horaire prévu. On devait finir à 14h, heure française. Il est 14h07. Je tiens quand même à remercier les trois intervenants qui étaient à mes côtés aujourd'hui. Donc, merci à l'activiste africain, merci à Miss Pourchia, merci à Jean-Claude. J'ai vu également dans les questions qu'il y avait pas mal de questions, des personnes qui demandaient si on pourrait avoir de la documentation sur ce webinaire ou alors revisionner le webinaire. Alors, la réponse est oui, vous pouvez la retrouver sur Facebook, donc sur la chaîne Facebook de Agir Ensemble pour les droits humains, mais également sur le site internet de la campagne. Vous avez le lien dans la discussion en bas à droite de votre écran. Je tiens également à remercier les partenaires de la campagne Fierté sans frontières, à commencer par 2HRC, Health and Human Rights Cameroun, qui est une initiative menée par un groupe de militants et de militantes en Afrique. Elle est basée à Bertois, à l'est du Cameroun, et mène des actions contre l'homophobie et la transphobie. Je tiens également à remercier Adeos. Je vois que Frédéric, de président d'Adeos, est connecté d'ailleurs. Adeos, ça veut dire l'Association nationale d'aide de défense homosexuelle pour l'égalité des orientations sexuelles. Et c'est une association LGBT militante et friendly basée en Poitou-Charentes, en France. Merci également à Cœur Arc-en-Ciel. On en a longuement parlé avec Jean-Claude Pongo et Longo, au collectif Free également, qui est partenaire de cette campagne, et puis à Solidarité internationale LGBT, qui est basée à Paris et qui vise à mobiliser la société française et plus particulièrement la communauté LGBTQI pour apporter un soutien à tous ceux et toutes celles qui se battent pour les droits des personnes LGBTQI dans les pays où les LGBT-phobies sont fortes, et on en a parlé aujourd'hui.